cette terre vaut du bling. Du bling pour le king. Plus cher qu'un vase bling. Bling, 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 bling. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, bienvenue dans Bling Dom, la suite du bling du bonheur. Bob, on est en hiver, pourquoi t'améliores la ferme? Parce que j'ai des thunes et parce que l'hiver sera bientôt levé d'ici une petite semaine, je le sens, ça va plutôt bien se passer. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va tenter une croisade, on va tenter quelque chose d'offensif. On va prendre des risques, les enfants, on va prendre des risques absolument fous. Que voulez-vous, on est comme ça, on est des dingues. Paptimus, donne-moi des fonds. Voilà, je sais que je tape dans mes réserves de bling de l'hiver. Mais en été, on aura clairement tous les moyens de se refaire ce bling, donc je suis confiant. Je suis confiant. Je fais quand même une deuxième Excalibur. Quoique, ça sert à rien. Ça sert à rien vu qu'il me suivra jamais. La gigabombe non plus. En fait, je souhaiterais lancer une croisade à gauche, essayer de détruire le portail une fois, et ensuite, seulement ensuite. Voilà, des lances, c'est bien. Voilà. Et ensuite, seulement ensuite, braves gens, amener la bombe jusqu'au portail et tout faire péter. Voilà. Et donc, somme toute, ça devrait plutôt bien se passer. On a quand même quelques constructeurs. D'accord. Paptimus, il aligne le fric. Paptimus, il réfléchit plus, si tu veux. Paptimus, on lui a dit, aligne les thunes. Et Paptimus, il dose, tu vois. Il te dose. Il réfléchit plus. Très bien. Donc, on va quand même sécuriser notre zone de combat à gauche. On va sécuriser notre front. On se fait attaquer par des jumpers. Je vais les appeler comme ça parce qu'ils sont furieux. Et du coup, la ferme est finie, ça c'est cool. Youpi. Pétez-moi ces arbres. Recrutez-moi ce gitan. Voilà. Là, on laisse la forêt parce que ça fait spawn des caribous. Eux, ils reviennent. Et il a gagné 2$. Je sais pas où est-ce qu'il les a gagnés, ces dollars, mais ils y sont. Eux, ils sont toujours aussi buggés dans leur tourelle qui n'existe pas. Et ça y est, ça commence. Non. Olé, facile. Note à soi-même, les jumpers sont très dangereux. Olé, olé. C'était juste une question de d'équilibre. Voilà, réflexe. Ça souffle ce soir, hein. Le vent est fort. Hein. Oh là là. Ça souffle fort. Faut faire attention. Voilà, très bien. C'est parti. Apparemment, les chevaliers n'ont pas besoin de plus de thunes. Très bien. Est-ce que j'ai encore quelques fonds comme ça? Non, ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'aller. Je pourrais renforcer ce mur en plus. Mais honnêtement, au point où on en est, ça sert à rien. Menons juste une offensive. D'ailleurs, si j'arrive à détruire le gros portail, est-ce qu'il y aura encore une lune de sang qui va popper des deux côtés ou je me souviens plus de ce détail. Je me souviens plus de ce détail. Un coffre! Putain, du bling! Excellente nouvelle. Oh là 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 là, je vais peut-être pouvoir dépenser mes cristaux! Qu'est-ce que c'est? Bien, beau Pokémon, hein. Très très beau Pokémon. Cependant, j'ignore ce qu'il fait. Ça a l'air, c'est un très beau lézard, hein. Il est très joli ce Komodo. Mais on va d'abord sécuriser l'assaut, si vous voulez, hein. Si vous voulez bien. Bah alors. Bah alors, attaquez. Ah, on peut pas! D'accord. On ne peut pas. Donc on peut pas détruire le truc d'abord. Il faut ça. On me dit le dragon, le dragon, le dragon, le dragon.
Il faut la bombe. Putain, je prends le dragon ou je vais acheter de la bombe? Ils attendent la bombe. Ouais, mais ils vont crever du coup cette nuit. Et merde! Bon, c'est trop tard pour la bombe. C'est trop tard pour la bombe, c'est trop tard pour la bombe. C'est trop tard pour la bombe, c'est trop tard pour mes chevaliers, c'est trop tard pour tout le monde. Je ne le savais pas. Dans la version précédente du jeu, il suffisait juste d'amener ses archers et y taper dessus. Donc, rip Excaliburn. Rip mes chevaliers, rip mes fonds, rip mon argent, rip tout. C'est pas grave. Nous allons recommencer. Mais ce coup-ci, on aura une bombe. Bon. Du coup, comme on aura la bombe, on aura aussi les chevaliers qui vont suivre. Et là, ça devrait bien se passer. Respirons un coup. Voilà. Bon. Bon. On me dit que le dragon s'est pété. J'en doute absolument pas. C'est juste que, pour l'instant, en fait, je suis en train de mener un assaut. Qui est essentiel, si vous voulez, à mon effort de guerre. J'ai pas les moyens, n'est-ce pas? Ah si. Ça passe, Dieu merci, ça passe. Je suis clairement en train de mener un assaut qui est essentiel à mon effort de guerre, brave Jean. Et je pourrais jouer au con et faire n'importe quoi. Échanger de monture en plein milieu et me supprimer de blink et tout le reste. La puissance, c'est bien, mais la maîtrise, c'est mieux. Hein? Voilà, je... Putain, j'ai encore des Pokémon. Au moins, voilà, j'ai un peu de thunes. Et pas qu'un peu. Dieu bénisse le bling caché. Mais là, y'a rien après, hein. Ouais, c'est le ponton, c'est le bord, ok, y'a plus rien. Très bien. Bob, c'est bel et bien un bug, hein, tu peux le détruire sans bombe. Ah, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ce soit un bug, hein, ça ferait du sens que ce soit la bombe, hein, si tu veux. Donc, écoute. On a la Tsar Bomba. Voilà, est-ce que on a des chevaliers qui sont à peu près équipés? Deux suffisent, hein, j'ai envie de dire. D'accord, il a la bombe. On a la bombe. On va juste espérer que ça s'est bien passé à gauche. On va juste espérer ça. Ce bateau qui nous attend impatiemment. Mais comme on a l'occasion de conquérir l'endroit, ce serait fou, hein. Et en plus, ça voudrait dire qu'on pourrait revenir sur l'île pour se refaire un plein de bling et de chevaliers au cas où quelque chose part en sucette séant, si tu veux. Et ça, c'est la conquête. T'as perdu un chevalier. Oui, bien sûr. Mais normalement, les autres vont suivre, n'est-ce pas? Ou alors, est-ce que je devrais racheter un chevalier? On me dit qu'il y a un chevalier mort. Mais il y en a un autre qui a survécu. Qui est ce héros que je le salue? Qui est ce guerrier invincible? Bon. Putain, effectivement. Il y a un mec, il a tenu ses couilles, si tu veux. Le gars, c'est Link. Le mec, c'est Link, hein. C'est beau ça. Ça par contre c'est beau. Donc il s'agira de pas trop s'avancer, hein, histoire de pas se faire avoir par la muraille et l'attaque. Attention aux saloperies. On va essayer de s'avancer un peu. On va manger d'ailleurs un peu en avance, histoire de pouvoir le semer si jamais on se fait poursuivre par cette merde. Voilà.
Ok, très bien. Parce que moi, je les aime pas, hein, les Snatchers. Hein. Très bien, ils se sont fait bouffer. Et le chevalier, il est à tenue, hein. Et le mec, il est full life. Le gars, il lance une croisade qui échoue, il rentre. Qu'est-ce qui se passe? Mec, il bat les couilles, hein. Allez. Aucun dégât, fantastique. Apparemment, c'est pas grave. Mais il faut qu'on attende la bombe, malheureusement. Tant que la bombe n'est pas avec nous, nous ne pourrons pas mener l'assaut. Et surtout, nous ne pourrons pas mener l'assaut... Attends. Parce qu'en plus, si on s'approche, on va les exciter, hein. Plus besoin de vie, très bien. Si, si, quand même un peu, ok. Mais... Ah, voilà la bombe. Parce que j'essaie quand même de charger un peu notre chevalier, si tu veux. Est là, le portail est là. Là, le truc du dragon est là. Putain. Bob lance une croisade. Ah, est-ce qu'on aura le temps là? C'est déjà la moitié de la journée. Et j'ai pas réussi à lancer une croisade, hein. Peut-être qu'il faut attendre la journée en fait. Promis, on te testera, toi. Dès qu'on a sécurisé l'endroit, on te teste, y a pas de souci. Et de toute façon, les gens à la bombe, ils reculent pas, on est d'accord. Serré. Clairement pas prêt. Clairement pas prêt. Je suis clairement
clairement pas prêt. Je ne peux pas payer la bombe. Donc il faut sans doute la placer quelque part au cœur du mal. Bon, si je meurs ici en tout cas, ça aurait été beau. J'aurais été très content de faire cette série avec vous, braves gens. Nous aurons fait fièrement face à l'adversité. Nous aurons affronté le mal. Le griffon carie quand même, hein. L'hippogriffe fait le taf. Hein. Il y a une raison pour laquelle j'ai un aigle là. Il y a une raison pour laquelle mon cheval c'est un aigle si tu veux. Alors attendez, retraite. C'est tendu, hein. La protection de leur tuyau a été coupée. Nous sommes dans l'essence même du mal. Cette île sera à nous. On est sur le Sita. Allez, le but du jeu, c'est que les counters terroristes, ils gagnent pas, là. C'est nous, les terroristes. Il est full life. Il est full life et on a encore un peu de bling. Putain, ça se trouve, la source du mal, c'est Pépé, le... Pépé, le collabo, hein. Il y en a combien des saloperies comme ça? Pépé le collabo! Oh, au cœur de la source du mal! C'est un peu comme The Wolf Among Us, si vous voulez. C'est un peu comme... les fables. C'est un peu comme la BD Fables, si vous voulez. Le méchant, on s'attend pas qui est le vrai méchant, en fait. Tu te demandes s'il y a un vrai méchant, mais le vrai méchant, quand tu t'en rends compte, t'es là, d'accord, d'accord en fait, d'accord. On s'y attendait pas. Tu vois, il y a un twist. Ah, attendez, je mange des souris. Mérite à la fois une médaille. Des femmes, offrez des femmes à cet homme. Encore. Vous avez fièrement mené à bien le Blingperium. Oh.
moi sur place, 3600 de ces petits bâtards morts, une vie, no death run, 2000 bling dépensés, 9 sessions jouées, victoire! Victoire, putain! On a récupéré les pépés! On a récupéré les pépés, c'est la belle victoire, ça c'est beau! Ça c'est beau, ça c'est beau, putain! Oh là 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 là! Ok, infirmier, chevalier embauché 2, ouvrier embauché plein, ouais, tout à fait, piqué embauché plein, blablabla. Bla, bla, bla. Des stats, c'est bien, c'est des belles stats. Oh là 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 là! Ah! Le roi de l'évasion! Et ils sont tous clodoifiés! Eh bah ben, écoute! Voilà, ça c'est juste pour le chevalier. Tout le reste, vous êtes des clodos. Vous êtes des chiens. Vous méritez même pas ma considération, vous savez quoi? Vous méritez pas mon bling. Pépé le collabo et pépé le gigolo. Et on va pouvoir s'équiper de ce dragon. Putain, ce chevalier m'est canonisé, quoi. Alors que l'hiver prend fin, que le printemps revient, la victoire est présente. La victoire est présente. Je lui décerne le titre de Adolf Blichtler. Grande médaille incroyable du royaume. Perce bling de Galles. C'est beau, hein. C'est bling. Oh là là, et cette lune qui se lève dans la sécurité relative absolument folle. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Retrouvons la relativité et la paix relative de notre île, ici. Après avoir sécurisé, après je ne sais pas combien de dizaines, de centaines d'épisodes, un territoire. Oh là là, incroyable. Incroyable. Je suis le seul triste pour les héros morts au combat. Ils sont pas morts au combat, ils ont été clodoifiés au combat. C'est pas pareil. L'explosion leur a fait perdre leur bling, si tu veux. Mais honnêtement, ça va. Ça va, ça. Si c'est juste le bus. Ah, élevé. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, élevé, mais sans doute love, hein, ou level. Voilà. Mister élevé, on est beau, là. On est beau. On est beau, ça, ça fait plaisir. Hein. Où est l'argent? Fais-moi le bling. Le bling de l'hiver. Je suis sûr que vous en avez récupéré un peu. Putain, par contre, le griffon n'en peut plus. Et du coup, on va pouvoir tester le... Levrette, Louis Vuitton. Oui, il y a plein de choses que ça veut dire. On va pouvoir tester, brave Jean, le... dragon. On va pouvoir tester le dragon. Ça veut dire 55, Bob. Ouais, je sais, je sais. On est bien. Élevé, ça veut dire l'aventure. C'est valide. Allez, Paptimus. Voilà, sauce-moi les bourses un peu. Fais plaisir. Fais plaisir. Putain. Bob, il n'y a plus d'ennemis cobayes. Ah, bah écoute, on va reprendre le dragon. D'ailleurs, j'ai une question. Si on abandonne le griffon sur une île, comme on abandonnerait cet ours, par exemple, est-ce qu'il se trouvera sur son île de départ, c'est-à-dire la première île, ou est-ce qu'il se trouvera sur l'île où on l'a abandonné? C'est la vraie question, tu vois. Si jamais le griffon c'est de la merde, hein, tu vois, c'est pas. Il se trouve sur l'île où tu l'as abandonné. Bah c'est parfait, vu que cette île est sécurisée, nous ne risquons plus rien. Nous ne risquons plus rien, brave Jean. La victoire est absolue. Notre victoire est totale. Elle est indiscutable. Ce chevalier, par contre, qui a tenu à lui tout seul. T'as le chevalier, il a tenu avec sa bite, hein. Les pépés. Oh là là, ce pépé. Ce pépé qui fait une upgrade de la tour. Et qu'est-ce qu'il rajoute sur la tour? Ah oui, il permet d'avoir un chevalier supplémentaire, c'est ça. Et lui, il permet d'avoir des murailles qui deviennent des balistes. Ou non, ou des tours qui deviennent des balistes, ok. Oh là là. C'est quoi? Ils ont fait le bel effort. Ils ont fait le bel effort, je finance. Voilà. Ils ont fait le bel effort, je finance. Ils méritent. Ils méritent. C'est des gens qui méritent. Sans peur et sans reproche, ce chevalier. Hein. Ah bah... Le seul reproche que tu peux lui faire, c'est que quand il a tronché ta mère, il lui a pas fait un enfant, tu vois. Oh là 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 là. Hein? Déjà c'est mignon comme ça se déplace. Blette. Blette. Ça mange sinon?
comment ça se passe? Comment ça se... Non. Hein? Oula. Oui. Il fait de la photosynthèse, mais c'est nul. Durant les attaques, du coup, c'est vachement dangereux. Bon. Oui. Il y a peut-être un truc, attendez. Il doit y avoir un truc. J'attends qu'il se repose un peu. Mage. Ah! Ah oui! Ah oui, donc... Ah, évidemment! Ah! Effectivement! Ça a une possibilité offensive assez fou, assez folle. Parce que on peut me dire que ça a une range nulle, mais regarde, tu te mets là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce lézard. Vous savez quoi? Il crache du feu, il est bien. Ça c'est un bon lézard. Hein, voilà, si on peut me donner le code pour changer mon emblème pour lézard, on dit oui. On dit oui. Voilà. C'est plutôt valide. J'ai envie de dire, le feu les arrête pas et il est lent. T'es sûr? Il est pas si lent que ça, regarde. Non, ça trace. Non? Dire les flammes bloquent tes unités. Ah. Après l'avantage c'est que du coup plutôt que de les repousser et d'attendre que tes archers fassent le taf, voilà quoi. Ça je sais pas si vous vous rendez compte, mais le fait que les ennemis meurent, surtout que avant même qu'ils arrivent, tu fais une petite sortie, tu fais cela, et là il y a la première vague qui arrive, blablabla. Après, il a pas d'endurance et il marche à la photosynthèse. Écoutez, de toute façon, je vais le garder et on va aller sans doute tenter de conquérir les autres îles, les îles qu'on a déjà faites, histoire d'y mettre des gigaboumas et de mettre à bas les monstres qui s'y traînent. Honnêtement, je trouve ça pas mal. Pas si nul que ça, hein. Moi j'aime bien. Regardez, la fin de l'hiver et on a encore des thunes. Hein. C'est beau. Mais Bob, t'as pas fait le bateau? Oui, j'ai pas fait le bateau. Bon, bah, allons faire le bateau, si vous êtes content. Moi je m'en fous, là, dans ma tête, j'ai fini le jeu. Je suis content, tu vois, c'était le moment. Après, le reste, c'est juste une question de patience. Jusqu'à ce que... Putain, il y a Pépé. Et les Pépés, ils me suivent, du coup, les deux? Ou il y en a qu'un qui va me suivre d'une île à l'autre? Par contre, j'avoue que c'est une voiture solaire, le truc. Ouais. Ça risque, malheureusement, de prendre un peu plus de temps de prévu. Voilà. Ça veut rien dire. Bon. Eh bien écoutez, braves gens, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cet épisode, je vous fais de gros bisous et surtout... Oh, joyeux Noël, hein, nouvel an ou tout le reste, je ne sais pas à quelle période ça sort. En tout cas, on peut cracher du feu et ça, c'est métal. Allez, zou, braves gens. Oh.